Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un très joli petit jeu Message des papillons d'Alana Fairchild. Alors c'est un petit jeu comme je vous le disais puisque je vais vous prendre la taille standard des coffrets de chez Vega par exemple avec Bénédiction Celtique et vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus petit ici. Voilà, je pense d'ailleurs, voilà, il fait le sens de la largeur d'un jeu traditionnel. Et je vous montrerai tout à l'heure avec une carte. Par contre, on retrouve le côté coffret rigide de ces éditions-là. Donc, les éditions, je vous ai dit, voilà, les éditions Vega qui sont ici. Donc, un coffret rigide et un coffret qui comprend 44 cartes avec en fait des affirmations sur chaque carte. Donc, vous n'avez pas de livret. Vous avez les textes directement au dos des cartes. Alors, je vais vous le montrer. Pour moi, j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Je l'ai utilisé dans un moment un petit peu difficile où vraiment j'avais besoin de réconfort. Et c'est exactement ce que ce jeu m'a apporté. Beaucoup de tendresse, beaucoup de réconfort. Puis vous le retrouvez bien sûr dans les messages et dans les couleurs très douces du jeu. Alors pour vous montrer la taille des cartes. Voilà, je l'avais perdu. Donc ça c'est une carte standard, donc du fameux jeu Bénédiction Celtique. Et vous voyez qu'on a des cartes qui sont beaucoup plus petites, mais ça n'enlève absolument rien en fait au charme du jeu. On a la même qualité de cartes, le même carton. On a un vernis brillant qui va très bien d'ailleurs avec ce jeu parce que ça met les photomontages en valeur. On a des tranches dorées. Et donc derrière vous avez les fameux messages. Voilà, alors je vais vous montrer déjà chaque papillon. On a une petite carte en plus sur comment utiliser vos cartes. Voilà, inspirez profondément, expirez, détendez-vous. Dans votre esprit ou à voix haute, demandez quel conseil me faut-il recevoir maintenant. Choisissez l'une des 44 cartes magnifiquement illustrées et lisez le message au verso. Vous pouvez le répéter telle une affirmation, un peu comme un mantra en fait, ou simplement garder votre carte comme guide tout au long de votre journée. Donc on est dans cette idée d'avoir un tirage par jour par exemple, donc ça peut être votre petite carte du jour, ou alors ça peut être aussi le genre de carte qui va terminer un tirage un petit peu plus long, ou qui va être utilisé dans des moments justement où on a besoin d'une réponse assez rapide. Donc voilà, notre petit message du jour. Moi j'aime bien cette idée de l'utiliser en petit message du jour. Alors je vous montre les très très beaux papillons qu'on a. Vous voyez qu'on a des cartes qui sont beaucoup dans les tonalités de jaune et c'est ça qui donne cette luminosité aussi au jeu. On a des couleurs assez vives, jaune, rose, on a un petit peu de bleu, on a du mauve. Voilà, mais principalement ce côté très jaune, très ensoleillé qu'on retrouve. Et au niveau des messages des cartes, on a le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie, m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. Plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. Chaque jour, je suis plus fort, plus courageux et plus sage. Je vis et je grandis en harmonie avec l'univers. Je suis un enfant de l'univers, unique et parfait, exactement tel que je suis.
je me donne la permission de mettre mon esprit en pause, de m'amuser. Ma patience est récompensée, mon tour viendra. Il m'est facile d'attirer tout ce dont j'ai besoin dans ma vie, je le fais en me relaxant et en ayant confiance. Ainsi, tout se déroulera à merveille. Alors, je vais vous tirer, parce que là, je ne vais pas toutes vous les lire, je vais vous tirer 3 cartes. Donc, je vous laisse penser à votre situation actuelle pour recevoir justement un message qui vous éclairera. Ou alors, vous pouvez faire comme pour la petite carte, simplement demander quel conseil me faut-il recevoir maintenant ? Voilà, quel conseil vous faut-il recevoir maintenant ? Alors, pour la première carte, vous avez ce beau papillon et votre message. J'adoucis l'anxiété et le stress en choisissant de faire des choses qui m'aident à me détendre. Pour le second message, nous avions cette carte-ci. Le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie, m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. Et pour la troisième carte, c'était celle-là. La vie est bonne envers moi. Voilà, donc vous pouvez vous répéter. C'est votre carte, votre phrase, comme un petit mantra tout au long de la journée. Inscrivez-le peut-être sur un petit papier, si vous en ressentez le besoin. Et puis comme ça, vous aurez votre message qui vous accompagnera tout au long de votre journée. Voilà, j'espère que la présentation de ce jeu vous aura plu. Un petit jeu, mais tout en grandeur du cœur. Je vous mets la référence bien sûr juste en dessous, en barre d'infos, comme d'habitude. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Bye bye !